Et bonjour à tous les amis, c'est Krim. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la peau. Alors cette vidéo, elle est un peu particulière. Je vous explique, j'avais déjà tourné l'épisode numéro 7 de l'Apocalypse. Et ça avait été un épisode apocalyptique pour le coup. Ça a été vraiment le pire épisode de toute ma vie. Alors pas par rapport à ce qui s'est passé en jeu, mais par rapport, voilà. Ça a été un épisode où j'étais interrompue assez souvent par le téléphone, par la sonnette. Et donc ça a été un peu décousu et chaque fois qu'en fait j'ai été interrompue, j'ai arrêté l'enregistrement et plusieurs fois en fait j'ai relancé le jeu en oubliant de relancer l'enregistrement. Du coup ce qui fait que je me suis retrouvée avec un épisode totalement décousu où il manquait des morceaux et donc ça a été catastrophique. Après quand j'ai voulu faire le montage, et ben, en fait j'y arrivais pas parce que... comment dire, à cause du fait que c'était décousu, qu'il manquait des parties, j'arrivais pas à m'y mettre. J'y ai passé des heures sur ce montage sans jamais réussir à le finir. Donc j'arrivais pas à avancer et comme ça fait quand même hyper longtemps que j'ai pas fait de mise à jour, j'ai Morgane en fait qui m'a suggéré de laisser tomber. De lâcher cet épisode, de vous faire un petit résumé de ce qui s'était passé et d'avancer en passant à la suite parce que sinon je pense que dans 6 mois on y est encore et c'est pas le but, moi j'ai envie de jouer avec Angelo, je sais qu'il y en a qui attendent la suite donc vraiment j'avais envie d'avancer mais j'y arrivais pas et donc voilà, du coup j'ai décidé de suivre le conseil de Morgane. J'ai supprimé, car moi j'ai tout supprimé, j'ai supprimé tous mes rushs, j'ai supprimé tout mon montage, j'ai tout jeté à la poubelle. Et je l'ai regardé d'abord pour prendre des notes et me rappeler exactement ce qui s'était passé. Pour pouvoir vous en faire un résumé, voyez. Et donc on part. Donc effectivement, il vous manque environ une heure et demie de jeu. Donc je vais vous dire tout ce qui s'est passé, il n'y a pas de problème. Mais il manque deux, trois trucs. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant cet épisode? Alors dans le rayon des bonnes nouvelles, Angelo et Dina ont tous les deux eu une promo dans leur métier. Donc Angelo dans la carrière des affaires. Et Dina, dans sa carrière d'ado de vendeuse, là. Et donc, ils ont tous les deux une promo, ce qui a ramené un petit peu de sous. C'est toujours pas assez pour les factures. Et d'ailleurs, on va y revenir sur les factures. Parce qu'en fait, j'ai découvert, enfin, on m'a fait découvrir, hein, quelqu'un m'a suggéré de jeter un œil dans mon inventaire de la famille. Parce que Dina, cette fourbe, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, Dina, cette fourbe, en fait, elle est venue avec ses valises. Mais elle ne me l'a pas dit. Et donc, elle a mis tous ses meubles dans l'inventaire de la famille, donc dans l'inventaire qui est dans le... mince, là où il y a les objets, etc., dans le mode construction. Donc, elle a tout mis dans l'inventaire et c'est ça qui a fait que j'ai eu des factures de ouf. Donc, j'ai vendu toutes les affaires qu'il y avait dans l'inventaire. J'ai effacé l'argent, enfin, je l'ai supprimé pour pas me faire de l'argent sur le dos de Dina. Et donc, normalement, à la prochaine facture, j'aurai des factures normales. Alors, ça ne résout pas mon problème du fait qu'il va falloir que je paye cette somme-là cette fois-ci et que je n'ai pas du tout de thunes. Enfin, j'en ai un petit peu, mais clairement pas assez. Donc, je pourrais tricher. Néanmoins, je pars du principe que ce n'est pas un bug, hein, puisque c'est le fait que j'ai eu des meubles dans l'inventaire qui m'a fait augmenter les factures. J'aurais tout aussi bien pu m'en rendre compte, je ne l'ai pas fait, bon voilà. Donc du coup, j'ai décidé de ne pas tricher, de ne pas payer les factures comme ça et de les payer à la sueur de mon front et de mes pixels. Mais ça va être compliqué. Mais bon, une fois que ce sera fait, au moins on sera peinard. Le seul truc, c'est que là, j'avais déjà plus d'électricité et a priori, très rapidement, je ne vais plus avoir d'eau. Là, dans les minutes qui suivent. Comme si ça ne suffisait pas. En fin d'épisode, j'ai voulu... il fallait faire à manger, donc je me suis dit, n'envoie pas Dina, elle est pas douée, elle va foutre le feu. J'ai donc envoyé Angelo faire griller des fruits. Il a mis le feu au barbecue. Alors pourquoi c'est un problème? Bah c'est un problème parce que mon barbecue est inutilisable. Voilà. Donc je peux rien acheter, j'ai pas de thunes, et en plus, il m'a cramé le barbecue. Donc on a trouvé une solution alternative, c'est-à-dire qu'il y a un barbecue sur la map, donc ils vont pouvoir aller se faire à manger là-bas, mais du coup, je ne peux plus cuisiner dans la maison, donc... J'ai quand même réussi à lui faire finir ses fruits frais, enfin ses fruits là. Du coup, il a des fruits normalement dans l'inventaire, ce brave homme. Non, je les ai posés. Mais voilà, il y a des fruits, donc on va tenir quelques jours, j'espère, jusqu'à ce qu'on puisse acheter. En espérant que j'ai de quoi payer les factures avant dimanche. Sinon, c'est la mouise totale. Ah oui, j'ai d'ailleurs oublié de vous dire que Dina est bel et bien enceinte. Hein, je crois qu'on ne le savait pas à la fin de l'épisode, mais aussi. Donc elle est bien enceinte.
De quoi, de quoi, de quand, de comment, je ne sais pas. Mais elle est enceinte et elle n'a pas encore accouché. Alors ça ne saurait tarder, a priori. Voilà, c'est incessamment sous peu qu'on va avoir ce petit bébé. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Bah, c'est tout, hein, je crois. Ah oui, si, je reviens sur une chose. Dans l'épisode précédent, pour un petit peu monter la relation avec Nalani et avec Dina, j'ai fait regarder les nuages à Angelo. Il s'avère que c'est interdit. On me l'a fait remarquer dans la vidéo parce que ça donne un bœuf confiant et que du coup, avec le bœuf confiant, bah, on peut obtenir des avantages, etc. Donc moi, je ne me suis pas servi du bœuf et je l'ai fait en toute innocence. Donc je vais plus le faire. Mais par contre, voilà, je considère que c'est bon, c'est fait, j'ai pas fait exprès, c'est fini. Voilà, écoutez, je vous ai résumé un petit peu ce qui s'est passé pendant cette 1 heure et demie un peu chaotique. Et on va pouvoir donc avancer. Dina va pas tarder d'accoucher, on va essayer d'avancer aussi dans les promos, essayer de gagner de l'argent, payer ses foutues factures et être débarrassé. Voilà, ce petit résumé étant fait, on peut commencer à avancer enfin. Cet épisode-là est derrière nous, on est hyper motivés. Dina va pas tarder d'aller au boulot, mais j'aurais bien aimé qu'elle bosse un peu son charisme. Mais du coup, monsieur n'a pas l'air. Non, je veux pas la faire manger parce qu'elle va aller au boulot et que normalement, ils vont gentiment me la nourrir. Je trouve cette maison extrêmement tristounette, sans lumière. Déjà que de base, c'est pas la grosse teuf. C'est déjà pas la grosse teuf en termes de déco, d'ambiance et tout, mais alors là, on touche le fond là. Toi, tu travailles dur parce que c'est comme ça, la vie est dure. Ah oui, puis alors le problème que j'ai, c'est n'ayant plus d'électricité, il peut pas faire sa tâche du jour. Non, il peut pas parce que ben j'ai pas la lumière. Et les ordinateurs sans électricité, ça marche pas longtemps, quoi. Ça a pas l'air de travailler dur quand même, hein. Ah, puis elle est mal à l'aise, elle n'en peut plus, elle est fatiguée, gnagnagna. Chouchoute. Alors elle va arriver, elle va tomber direct. Genre, elle va passer le terrain, elle va faire un pouf. Donc, elle a gagné 160. Wouhou! Pourquoi j'ai mis les Gremlins? Faut que j'aille enlever cette... Je veux peut-être enlever un ou deux traits de terrain pourri parce que j'étais pas obligée de les mettre à la base. Et clairement, ça fait beaucoup quoi. Strangerville, les meubles qui cassent, les bestioles qui nous attaquent. Ça fait peut-être beaucoup pour un seul et même appôt. Donc je vais peut-être aller enlever un trait de terrain de ces quatre. Si tu pouvais aller au moins réparer les chiottes. Parce que Dina, quand elle va se lever, on va envie de faire pipi, qu'est-ce que c'est ça? Non, elle va pas se faire attaquer. Si. Non? Ouais, non, on va enlever des traits là. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Il y en a marre. Ouais, on va y aller tout de suite d'ailleurs. Parce que j'ai été un peu ambitieuse dans la galère. Hein, je rappelle que j'ai plus un rond, une facture de ouf. On se fait bouffer toutes les 2 minutes. J'ai pas d'électricité. J'ai bientôt plus d'eau. On va peut-être se détendre. Hein, parce que je sais que vous aimez bien quand je galère. C'est vrai. Mais là, on va se détendre. Donc, plouf, plouf, je pense qu'on va enlever les gremlins. Voilà, parce qu'il y en a marre. Les tremblements de terre, ok. Les bestioles, ok. Les gremlins, Gizmo, là, ça va 5 minutes, hein. Voilà, on sera plus embêtés. Oui, bah vas-y, vas-y. Attends, attends, attends. T'énerve pas. Hein. Je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. T'attends 2 minutes. Voilà. Après. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est blonde, celle-là. J'ai levé Angelo à minuit pour qu'il aille lui réparer les chiottes pour pas qu'elle se pisse dessus. Et elle se pisse dessus. M'énerve. Franchement, on t'a attendu 200 ans, je sais pas pourquoi. Ah, alors non, pas au dodo. Enfin, si. Alors, elle accouche dans 3 heures. Ça va être un peu tendu du string vis-à-vis de l'heure quand même, les gars. Parce que là, si je comprends bien, elle accouche pas avant 7h30, 8h. Ce qui veut dire que cet enfant fêtera toujours son anniversaire aux alentours de 8h, 9h. Ce qui correspond au début de la journée de travail. Voilà. Donc voilà. Et surtout, surtout, il faut que je la réveille avant qu'elle accouche. Parce que sinon, le jeu va me faire popper un berceau au milieu du chemin. Et je ne pourrai pas le bouger. Et je vais être coincée. Peut-être même que je ne pourrai pas y accéder. Donc il faut absolument que à la fin
Du bœuf, là, je la fout, je sais pas, n'importe où, là, là, mais pas dans le milieu du chemin ou dans une petite pièce. Debout, 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 debout. Viens ici, mets-toi là. Et tu bouges plus de là jusqu'à ce que t'accouches. Ouais, t'as envie de faire pipi, mais je m'en fous. Au pire, tu te pisses dessus. Parce qu'il reste 29 minutes. Est-ce que tu as le temps d'aller aux toilettes? Allez, vas-y, ça se tente. Si tu me plantes un berceau dans les toilettes, je t'éclate. Je te tue. Je te supprime du jeu. Je te supprime de toutes les parties. Et je plus jamais de ma vie, je vais entendre parler de toi, d'accord? Voilà. Alors, combien de temps? 14 minutes. C'est bon, allez, stop, 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 stop. Puis on se lave pas les mains, on n'a pas le temps. De toute façon, il y a une plante dans l'évier, donc. Ici, viens ici. Oui, viens ici, viens ici. Elle va me planter un berceau dans les toilettes. Bon, bah, il sera pas à l'étage, mais au moins, il sera dans une pièce où il sera accessible. Ah, voilà. Alors, je vais être honnête, hein, j'ai pas du tout cherché de prénom. Je ne sais pas comment je vais appeler cet enfant. Parce que je ne sais pas si c'est une fille, un garçon, un chien, un chat. Je n'en sais rien. Donc, c'est la surprise. Et c'est une fille, pour l'instant. Donc, petite pause, réfléchissement Jean-Pierre, et je suis à vous tout de suite. Et j'ai donc réfléchi, et j'ai décidé d'appeler cette petite fille Valentina. Pourquoi? Eh ben, pourquoi pas? Non, en fait, voilà, le père s'appelle Angelo, la mère s'appelle Dina, je me suis dit qu'on pouvait peut-être rester un peu dans des consonances un peu italiennes, donc j'ai tapé prénom italien sur Google, et j'ai lu dans la liste quelques prénoms. Et je me suis dit que Valentina, c'était pas mal, c'était original, et je crois pas l'avoir déjà utilisé. Donc Valentina, alors par contre, elle s'appellera pas Caliente. Le problème, c'est que là, je vous avoue que j'ai un blanc. Et que je sais plus c'est quoi le nom de famille que j'ai donné à Angelo. Donc elle va s'appeler Caliente pour l'instant, et j'irai modifier ça comme ça, à un moment donné. Voilà, donc bienvenue Valentina. Alors j'espère qu'elle est toute seule, parce que sinon, il faut que je retourne chercher un autre prénom. Elle n'est pas toute seule. Elle m'a fait des jumelles. Elle m'a fait des jumelles. Elle m'a peut-être même des triplettes. Pourquoi j'ai pas pris Nalani? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi j'ai choisi cette... Alors, bon bah, re-réfléchissement. Hein, voilà, à tout de suite, hein. Heureux, donc la deuxième petite s'appellera Serena. J'ai extrêmement peur de savoir où est-ce qu'ils ont fait pouper le berceau. Je me suis quand même cassé la tête pour que le berceau soit un endroit précis. Et ils m'en font pouper un deuxième, je ne sais où. On n'est pas bien, quoi. Alors, j'ose pas cliquer sur terminer parce que je me dis que peut-être... Mais peut-être il y en a d'autres. Il n'y en a que deux. Merci. Alors attention, cherchons le deuxième berceau. Oh là là, il est pour rez-de-chaussée. Oh. Pardon. Ils m'ont mis le berceau exactement à l'endroit où il ne fallait pas. Tout, il m'aura fait cette peau, tout. J'ai été la mettre en bas pour pas avoir ce problème. Et des jumeaux, pas des jumelles. Oh, j'en ai marre. Moi, j'en ai marre. Mais en fait, tout est compliqué parce que cette pièce est condamnée. Le lit est condamné, puisqu'avec un bébé qui hurle, on va pas dormir. Je risque de me faire enlever les enfants par l'assistante sociale. Et en plus, comme j'ai pas payé les factures, je peux même pas acheter un lit. Même pas un canapé, un fauteuil, rien du tout. Donc en fait, on est juste tellement dans la mouise. Et je parle même pas du fait qu'on va entendre un bébé hurler tout le temps pendant 3 jours. Et bah écoutez, c'était sympa, moi, je trouve, ce challenge. J'avais peur qu'un apocalypse, ça soit un peu long. A priori, il va être rapide, tu vois. Je pense que cet apocalypse-là, il va quand même se jouer assez rapidement. On va vite être au bout, hein. Je suis née trop dans la mouise. Hein. Mais alors, on est dans la mouise jusque-là, les gars. Alors, j'ai fait une petite pause. Et je suis allée exposer mon problème
Amissine, qui en est quand même à son deuxième appo, donc qui maîtrise un petit peu le sujet, en lui demandant qu'est-ce que je fais, s'il te plaît. Et voilà, lui m'a dit qu'effectivement, pour lui, j'avais le droit de le déplacer une fois pour au moins le rendre accessible, quoi. Donc, c'est ce que je vais m'empresser de faire. Alors, peut-être qu'on est dans le faux, mais je me dis que là, pour le coup, quand même, enfin, j'ai pas de bol, quoi. J'ai tout fait comme il fallait, et puis ça me crée beaucoup, beaucoup trop d'ennuis, quoi. Et puis surtout, on va me prendre le bébé, oh! Et puis, comment je fais, moi? On prend pas mes bébés comme ça. Donc, je vais me permettre de le déplacer. Je vais pas le déplacer bien loin, hein. On va le mettre. Merde, non, j'ai pas le droit d'acheter un lit, pardon. On va le déplacer, genre, voilà, pas forcément bien calé contre un mur, mais au moins accessible, quoi. Ce qui me permet de récupérer l'accès à mon lit, au bébé, à tout. Voilà, je me sens beaucoup mieux d'un coup parce que je commençais à même me dire que j'étais en train de m'enterrer vivante. Et je le vivais pas bien. J'allais dire, on va aller se laver avant d'aller au boulot, mais en fait, bah non. Parce que ça y est. On n'a plus d'eau. T'en es où ta promo? T'as... Va au boulot déjà, va au boulot. Oh, quelle heure il est? Oh là là, mais lâche-moi ça! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais, Angelo? Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi! Allez, hop, hop, hop! Allez, 9h, 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 ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, c'est passé. Oh, mais tout le monde pleure. Oh la vache! Oh, ça va devenir pénible là, les jumeaux. Et encore, dans mon premier appo, il faut savoir quand même que j'ai eu des triplés pour la première grossesse. Du coup, bah, on peut plus se laver, hein, bien sûr. Oh, ça va devenir compliqué. Bon, après, de toute façon, je pense qu'on va pas tarder d'arrêter. On va aller jusqu'à ce que Dina rentre du travail pour voir si on a un petit peu d'argent. Bah, du coup, on peut pas faire la vaisselle, mais on peut... Non, non, fais pas jeter, tu vas me jeter la bouffe qui reste. Et si moi, je mets dans l'évier? Ouais, ça marche! Ouais, merde, je fais le ménage à votre place, putain. Même dans le jeu, je passe derrière tout le monde. Je sais pas, ça doit être ma vie, ça. Ça doit être inscrit dans mon karma, tu sais, genre... Tu n'aimes pas le ménage? Eh bah, tu passeras derrière tout le monde! Bon, et eh ben allez. Angelo, t'as intérêt à cravacher au boulot là parce que 600, il me manque 1300. Il va pas aller bosser du week-end et elle doit gagner environ 150 Sims Plus par jour. Donc on va finir le week-end, il manquera encore 1000 Sims Plus pour les factures. Franchement, je sais pas trop comment on va faire. Oh, puis alors, il a quasiment pas avancé quoi. Ben on est dans la mouise. Et est-ce qu'on peut aller aux toilettes quand on n'a plus d'eau? Ah ouais, on peut quand même aller aux toilettes, c'est beau, hein? On peut pas tirer la chasse, on peut pas. J'ai pas trop envie de passer chez eux, je vous le dis, mais. Oh la vache. Lui, il est pas prêt d'avoir un moodlet positif, hein, je vous le dis. Hein. Le nombre de moodlets tendu qu'il a dans sa tronche. Ça faisait longtemps, j'avais pas pleuré, dis donc. On va s'éloigner. On va fermer les murs. Tu sens que j'en peux plus de ma vie. J'en peux plus de ces bébés qui hurlent là, puis leur fois deux, puis. Et puis on n'a pas de sous pour les épaules. Pour... Non mais comment il me manque 1300 simflous quoi. Potentiellement, c'est possible. Quelle est sa promo aujourd'hui? Que... Ah là la promo! Dina, je retire tout ce que j'ai dit. Je ne te supprimerai pas. Tu es extraordinaire. Tu es belle. Tu es blonde. Tu es magnifique. Tu es magnifique. Voilà, c'est gentil. Ta promo, merci. Merci. On finit. J'ai bien fait d'attendre parce qu'on finit cet épisode sur une note positive. Et ça fait plaisir. Hein. Oui! Ouais, 400, allez, plus que 900 Simplus. Juste avant de quitter, quand même, on va aller voir quelles restrictions on a levées. Je tiens quand même à préciser que c'est la toute première restriction que nous levons. Donc c'est un peu, c'est plein d'émotions d'un coup. Donc, employé de commerce, vous pouvez acheter ou construire seulement le dimanche. Donc déjà, on va pouvoir acheter et construire tous les jours de la semaine. Ça, c'est cool.
Et on ne peut remplacer les objets cassés que le dimanche. Donc, du coup, on peut les remplacer quand on veut, ça c'est cool. Et on ne peut pas prévoir de tenue, mais donc on va pouvoir les relooker. Mais pour ça, il va d'abord falloir acheter une commode. Et on ne peut toujours rien acheter tant que, effectivement, on n'a pas payé ses factures. Et donc, il nous manque encore potentiellement 900 simflouz, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que ça fout des factures? Bon, ça. Donc, il nous manque effectivement 900, quasiment 900 simflouz. Donc demain c'est samedi. Elle travaille, mais lui pas avant lundi. Donc à mon avis, on pourra absolument rien faire jusqu'à lundi soir. Bah écoutez, c'en est fini cet épisode numéro 7 de La Peau. Encore une fois, je m'excuse pour le dernier épisode, du coup que vous ne verrez pas, enfin que vous ne verrez jamais. Et j'espère que ça vous a plu. Je pense que vous qui aimez me voir galérer, je pense que cet épisode était à la hauteur de vos espérances. Et on se retrouve très vite pour la suite ou pour un live. Je vous fais plein de gros bisous les amis et à très très vite. Ciao!